En vacances d'été au fort de Brégançon, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte se sont accordés un petit bain de foule ce mardi 7 août. De nombreux vacanciers attendaient au pied du fort de Brégançon de pouvoir apercevoir le couple présidentiel. Des familles, beaucoup d'enfants, prêts à dégainer leur smartphone pour obtenir un selfie avec le président et sa femme. À leur arrivée, le chef de l'État et son épouse, vêtus de manière très décontractée, ont pris la pose tout sourire. Emmanuel Macron a pris le temps de discuter avec différents plaisanciers. Maxime, 6 ans et demi, a eu cette chance. Attendri par le petit garçon qui a confié beaucoup aimer la politique, Emmanuel Macron lui a alors promis de venir visiter l'Élysée. Le tout devant les caméras de télévision. Sauf que cette rencontre n'a rien de fortuit. Il s'agirait même d'un coup de com' de l'Élysée. On a appris que ce petit Maxime n'était pas là par hasard, a expliqué un journaliste d'LCI ce vendredi 10 août. Il faut remonter à lundi matin, le président de la République entend à la radio sur Europe 1 le portrait de ce jeune garçon qui a une passion dans la vie. Emmanuel Macron, il a très envie de le rencontrer, raconte le journaliste. Résultat, l'Élysée va donc rechercher le petit Maxime et demande au journaliste d'Europe 1 ses coordonnées. Le journaliste part donc à la recherche de Maxime et de sa famille sur la plage de Brégançon. Il finit par le retrouver et le contact est alors pris avec les équipes de l'Élysée. Et le petit Maxime se retrouve donc opportunément, à ce premier bain de foule, a commenté le journaliste d'LCI. Crédit photo, Best Images.